Bonjour les amis, ben écoutez, comme prévu, je suis en détection avec mon ami Dom qui est par là. On est en train de faire cette petite bande de terrain là. Donc on a parcouru à peu près bien 500 mètres. On est garé par là-bas et on a été obligé de faire un grand détour parce qu'il y a une rivière en crue ici. Et donc on a profité d'une voie de chemin de fer pour traverser la rivière et puis voilà, on revient. Donc notre terrain de jeu pour aujourd'hui. Voilà. Donc on va attaquer ce bois. Donc je pense que nous on va quadriller par ici en direction, il y a une grosse ville là-bas. Donc on va se rapprocher de la ville. Et la voiture étant par ici, on essaiera de la rejoindre par l'autre côté. Et on va voir ce que ça donne. Bon, je vois, il y a une sorte de chemin ici. Donc je vais tester un petit peu là, les flancs, et sinon on s'enfoncera sur la butte. Voir ce qui se passe et puis on vous reprend s'il y a quoi que ce soit. En espérant que les trois ils sont au rendez-vous cette fois. On a au moins la chance, c'est que là il y a un soleil impeccable. Il fait chaud même. Espérons que la journée sera belle en trouvailles aussi. Allez, à tout de suite pour la première. Hey, bonjour les amis, je suis avec mon ami Dom. C'est notre dernière sortie de l'année. On est parti près de chez nous, dans un nouveau bois. Alors, je sais que vous aimez les bois dégagés. En plus, voyez, ils nous ont fait de la place. On a commandé pour on a commandé pour qu'ils nous nettoient la place. Et puis ici, hein? Ouais, ils nous ont fait place nette. Et donc, bon, on a fait une petite sortie avec Dom il y a 2 jours où j'ai été bredouille complètement. Bon, je mettrai peut-être celle-ci à la suite si ça vaut la peine. Et là, premier trou, en arrivant dans ce bois. On en a déjà tenté un, mais on n'avait rien fait. C'est une boucle entière, boucle de chaussure. Voilà, donc il y a eu du passage. Voilà, une petite boucle. Sympa avec l'ardillon. Je pense qu'il y a la chape encore. Ou au moins un morceau de la chape. Voilà. Bah écoutez, c'est sympa. Pas de monnaie encore. Dom a fait une petite savo, en DT, je pense, dans le bois précédent. Et puis là, on va vadrouiller au bord de la route. Allez, ben écoutez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. J'ai fait un petit trou par ici, là. Là, j'ai eu un son, un double son. Donc, de temps en temps front, de temps en temps ferraille. Donc, c'est ici. Alors, je suis abonné en ce moment, hein, après ma série boucle, c'est ma série couteau. Donc, un vieux couteau. Alors, ce qui sonne, c'est l'embout. Hein. Vous avez un embout en bronze. Voilà. Bon, le bois a disparu. Voilà. Bon, il devait se fermer. Hein. Ou pas d'ailleurs, parce que il n'y a pas de fente, ça se trouve c'est un couteau fixe. En tout cas voilà, bon, une trouvaille supplémentaire, ça veut dire qu'il y a du passage, on va continuer ce bord de chemin. Allez, à tout de suite. Bon ben écoutez, ça fait une bonne heure et demie qu'on se balade dans le bois avec Dom, qui doit être quelque part perdu là-bas. Et en remontant vers la voiture ici, profond. Ici, alors c'est une bague à coudre, c'est la deuxième que je fais, elle doit être en fer. Hein. Ouais. Et deuxième que je fais en état, c'est sympa. Bon. C'est de la ferraille, mais comme on en trouve très peu. Voilà, donc il y a les bûcherons, mais bon, ça. Tout est au sol. Bah, écoutez, en espérant de faire une petite monnaie avant d'arriver à la voiture. Je vais voir si je retrouve mon ami Dom par là. Et puis je vous reprends s'il y a quelque chose d'intéressant. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je vous reprends tout de suite là. La bague à coudre un peu plus haut là, donc on aurait mieux fait de quadriller le premier coin où on a trouvé les boucles. Et ici, donc dans ce trou, c'est ici, enfin une monnaie dans la journée. Elle est encore dans la motte. Bon, elle doit être bien rincée.
Je pense être peut-être une royale. Il y a des chances. On verra s'il y a des restes. Je vais pas la frotter, elle a l'air. Il y a peut-être des reliefs, mais je pense qu'il y a des concrétions. Enfin, j'ai l'impression de voir. Peut-être qu'on le verra. Je vois un visage là. Enfin, je pense qu'il y a un profil. Alors, je pense que c'est une sole. On verra. Une sole, hein. Je pense à une sole à l'écu, mais je peux me tromper. Donc, bah, écoutez, voilà. Hein. On a sauvé la brouille complètement cette fois-là. On verra au nettoyage, peur que ça ne donne pas grand-chose, mais bon, allez, on va pas insister. Très peu de trouvailles, donc autant pas les abîmer. Bon, et je vous reprends s'il y a quelque chose, je vais quadriller le coin en attendant. Bon, je reprends. La tronçonneuse s'est arrêtée. Donc ici, dans ce trou, ici, voilà. Encore une boucle. Bon, je vous mettrai ça à la suite sur la vidéo. Petite boucle. Petite boucle. Allez, à tout à l'heure.